Bonjour, c'est Christina. Entre Noël et le nouvel an que nous attendons, et je te souhaite la bienvenue pour la lecture de ce chapitre 56 du grand livre de Lao Tzu sur sagesse et vertu que j'invite à découvrir au quotidien, pour ton quotidien, pour cultiver ta santé, ton bien-être. Et l'amour que tu peux te porter, que tu peux porter à la vie, que tu peux porter aux autres. Ce chapitre nous invite dans un principe qui m'est particulièrement cher, parce que il nous rappelle que la vie, le Tao, n'est pas manipulable. Le Tao, tu ne peux pas l'influencer. La vie, la vitalité, la force vitale, tu ne peux l'influencer. Par contre, tu peux t'ouvrir à elle. Tu peux t'ouvrir à elle et tu peux t'ouvrir à toi en train de la recevoir. Et c'est bien là le challenge que la quête de santé et de joie de vivre nous invite. Alors, prends place maintenant. Trouve un endroit suffisamment confortable pour que tu puisses être assis détendu et que ton esprit puisse être disponible à recevoir les mots de ce chapitre. Inspire et inspire, expire lentement. Prends conscience du rythme de ta respiration sans le forcer. Sens ta respiration naturellement. Sens comment elle amène la vie dans ton corps, comment tes muscles, tes organes, tout peut devenir mobile grâce à la respiration que tu laisses se déployer dans ton corps. Plus ta respiration est profonde et ample, plus tu bénéficies de tout ce qu'elle t'apporte pour laisser exister au niveau corporel le flux de la force vitale. Et du coup, tu te laisses habiter aussi au niveau de ton esprit, de tes émotions, de ton âme, par cette force vitale qui te nourrit et qui t'ouvre de nouveaux horizons. Oui, laisse-toi ouvrir grâce à ta respiration à de nouveaux horizons et à dépasser la dualité qui veut te faire croire qu'il y a à l'extérieur de toi des choses plus intéressantes qu'à l'intérieur, qu'il faudrait avoir ceci ou cela pour arriver à être bien. Respire et sens comment tu peux être là, simplement unifié. Ferme tes yeux si ce n'est pas déjà fait et laisse-toi porter par le son de ma voix pour découvrir les lignes
du chapitre 56. L'homme qui connaît le Tao ne parle pas. Celui qui parle ne le connaît pas. Il clôt sa bouche, il ferme ses oreilles et ses yeux. Il émousse son activité. Il se dégage de tout lien. Il tempère sa lumière. Il s'assimile au vulgaire. On peut dire qu'il ressemble au Tao. Il est inaccessible à la faveur comme à la disgrâce, au profit comme au détriment, aux honneurs comme à l'ignominie. C'est pourquoi il est l'homme le plus honorable de l'univers. Respire. Expire. Inspire. Et note ce que ces lignes t'évoquent, comment tu émeus par ces mots, comment ces mots te portent. Et pour compléter cette lecture, je vais te lire une autre traduction. Celle de Lio que j'aime tout particulièrement à chaque fois. Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. Bloque ton ouverture, ferme ta porte, émousse ton tranchant, dénoue tous tes chevaux. Fusionne toute lumière, unifie toute poussière. C'est là l'identité suprême. Tu ne peux approcher du Tao non plus que t'en éloigner, lui porter bénéfice non plus que préjudice, lui conférer honneur non plus que déshonneur. C'est pourquoi il est en si haute estime dans le monde. Inspire, expire longuement. Prends note. De comment tu es habité par cette nouvelle traduction, ces nouvelles lignes. Note-le dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit et ouvre-toi à ton ressenti intérieur. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi et laisse-toi être avec ce qui est là. Goûte-le, déguste-le, ressens-le pleinement. Cherche des mots, des images
qui reflète ce que tu ressens. Prends le temps bien sentir ce qui se passe en toi et ne cherche pas à le comprendre, à le juger. Ne cherche pas à vouloir obtenir quelque chose. Laisse-toi être. Laisse-toi être et observe et cherche le mot le plus juste que tu puisses trouver pour décrire ce que tu ressens. Sens comment ce ressenti se transforme petit à petit au fur et à mesure que tu cherches les mots qui te conviennent, les mots les plus justes. Sens ce flux. Prends conscience comment tu te sens de plus en plus proche de toi, comment tu as l'impression d'être de plus en plus au clair avec ce que tu ressens, ce que ça te fait là où tu es. Et laisse-toi sentir le plaisir que ça procure. Goûte ce plaisir d'être là et de sentir que tu es vivant, vivante en toi. Se passe quelque chose. Se passe quelque chose quand tu m'écoutes. Se passe quelque chose à travers les mots que j'énonce. Il se passe quelque chose à travers ce que tu perçois de toi, ici et maintenant. Et tout ça est un processus. C'est la vitalité que tu laisses juste à l'instant te nourrir et couler en toi. Oui, tu es plein de vitalité. Même si tu souffres, même si ta vie est difficile, si tu as des soucis ou des questions, si tu traverses des choses lié à des événements douloureux. Faire l'expérience de ce flux continu qui fait que tu peux toujours encore aller plus près de toi, être plus précis, plus précise avec ce que tu ressens, avec qui tu es juste maintenant. C'est là que tu trouves l'unité et l'espace pour exister, pour être toi et être bien avec toi. Et ça ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Tu peux être tranquille, tu peux être en sécurité là où tu es, juste ici et maintenant, en faisant cet exercice. Et je t'invite à goûter, à déguster, à
avec plaisir, avec joie, cet instant que tu es en train de vivre, où tu es un, tu es unifié. Puis prends conscience de comment tu es tout avec toi, tout connecté à toi dans ton intériorité, et comment ce qui se passe à l'extérieur, autour de toi, est présent mais ne t'envahit pas. C'est ça, fermer les portes. Ce qui se passe à l'extérieur de toi est là, mais ne t'empêche pas de te connecter à toi et à ta capacité à être unifié. Et c'est dans cette unification que tu trouves la paix de l'âme et que tu trouves la santé et le bien-être. Et bien sûr, tout ça est un chemin qui dure toute la vie et un chemin sur lequel parfois nous avons besoin d'être accompagnés parce que nous sommes des êtres qui avons besoin d'autres personnes. Ça fait partie de notre condition humaine que d'avoir besoin de soutien, d'avoir besoin de l'apport que l'autre peut nous donner. Pour nous percevoir nous-mêmes. Donc, si tu souhaites être soutenu dans ce chemin, dans ce parcours, pour toi, pour ta vie, pour ton bonheur, pour ta santé, alors tu peux prendre contact avec moi. Parce que c'est là mon travail, c'est là ma vocation de pouvoir t'aider à trouver ton unité et à être bien dans ta vie, à t'aimer, à aimer la vie. Donc, contacte-moi si tu le souhaites et nous verrons comment nous pouvons travailler ensemble. En attendant, je te souhaite une belle fin d'année. Il reste quelques jours pour finir cette année et pour te préparer à 2020, une nouvelle aventure qui nous attend, qui s'appelle 2020. Et donc, prépare-toi bien et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 57.